C'est équipé d'un ensemble atypique que la SARL Beugnet Frères entretient les accotements. En effet, ils ont investi dans un Unimog équipé d'une épareuse récupératrice Mulag et d'une remorque à fond poussant Fliegel. Hormis bien sûr faucher et entretenir les accotements, le but de cet ensemble est également de récupérer et de valoriser la matière coupée. Cette dernière constitue en effet une partie de la ration du méthaniseur de la ferme. L'ensemble est arrivé en 2018, la même année que la mise en service du méthaniseur. Le chantier tourne de mai à juillet et un peu à l'automne. Il assure entre 800 et 900 km de fauche par an, sur un secteur de 20 km autour de l'exploitation. En première coupe, c'est environ une tonne de matière par kilomètre qui sont récoltées. L'ensemble évolue entre 3 et 5 km/h. L'épareuse possède une largeur de coupe de 1,60 m. Contrairement à un tracteur, la machine est ici placée sur une plateforme derrière la cabine de l'Unimog. Elle fonctionne comme une épareuse classique mais possède une soufflerie et un canal qui aspire la matière coupée et la propulse dans la remorque attelée derrière. Cette dernière est équipée d'un filet pour éviter que l'herbe ne s'envole. L'Unimog, à mi-chemin entre camion et tracteur, possède un côté tout-terrain mais également un côté routier. Il est notamment homologué pour rouler à 90 km/h. Pour la remorque, le système Fliegel est posé sur un châssis ASCA homologué également à cette vitesse. Le chauffeur de l'ensemble est donc titulaire du super lourd et de la fumo. Autre particularité de ce petit camion à deux places, les commandes peuvent translater à droite au travail. Le chauffeur a alors une meilleure visibilité sur la machine. Une fois à la ferme, l'ensemble est pesé, puis la remorque est déchargée par le système de fond poussant hydraulique. La matière est tassée et stockée sous forme de silos comme de l'ensilage avant d'être incorporée dans le méthaniseur.